Bonjour à tous. On va juste se remettre du coup sur ma presse. Alors, je suis ravie de venir vous parler de fruits et légumes moches après que vous ayez dégusté d'excellents jus de fruits, en tout cas, qui étaient visiblement peut-être moches, on ne le sait pas en fait. En tout cas, ils étaient très bons. Je suis effectivement donc directrice marketing d'Intermarché. Alors, je suis un peu inquiète en vous regardant parce que vous êtes tous très jeunes et vous ne faites pas vraiment partie de notre typologie classique des clients. Je voudrais juste savoir, je sais pas, qui parmi vous fait ses cours chez Intermarché ? Bon, vous êtes sympa, c'est sympa. C'est très très sympa. Merci de me rassurer. Alors, vous n'êtes pas du tout représentatif, un, parce que vous êtes parisien. Ça rassure, j'essaie de me rassurer, merci. Donc vous n'êtes pas représentatif parce qu'effectivement, nous ne sommes pas très implantés en Paris intramuros, en tout cas, ou en région parisienne. On est en tout cas le troisième acteur de la distribution en France. Le troisième acteur donc, de la distribution en France, avec 1800 points de vente. Et ce qui fait vraiment notre spécificité, c'est que nous sommes un réseau d'indépendants. Donc, dans nos 1800 points de vente, majoritairement dans la France profonde, on y enseigne très populaire et fière de l'être. Ce sont des entrepreneurs qui sont chefs d'entreprise. Donc, chacun, quelque part, mène la politique commerciale en local, même s'il y a un socle commun à l'ensemble des points de vente. Ils sont acteurs de la vie locale. Alors moi, je voudrais vous parler un petit peu de notre promesse de marque, ce qui fait notre unicité en tout cas sur le marché, c'est que nous sommes producteurs-commerçants, le seul distributeur à avoir 60 unités de production. C'est pour ça que chez nous, chez Intermarché, on a une expérience de marque assez unique. Moi, je dis souvent en interne, en tout cas aux équipes, que chez Intermarché, nous avons la religion du produit. C'est pour ça que nous avons acheté, en tout cas, des usines. Nous en rachetons d'autres encore, GAD, pour ne pas les nommer récemment. Ça nous permet non seulement de sauver des emplois, mais en tout cas d'assurer de la traçabilité et la qualité tant attendue par les clients. Voilà. Alors la lutte contre le gaspillage, je vais nous remettre un petit peu avant d'arriver aux fruits et légumes moches et à cette belle création en tout cas qui a été faite par notre agence Marcel. Nous sommes, je vous refais un petit flashback, nous sommes fin 2013 et l'année 2014 a été décrétée année européenne de lutte contre le gaspillage. D'accord ? Donc nous on se penche un peu sur le sujet, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi finalement le gaspillage ? On a pas mal de données du côté de nos unités de production parce qu'aujourd'hui c'est quelque part quelque chose qui est dans notre ADN. On recycle, il y a pas tant de gaspillage que ça au niveau des unités de production parce que tous les déchets sont recyclés. Donc ça va des brisures de gâteaux aux déchets de viande qui sont recyclés d'entre une usine de carburant, Estener, au Havre par exemple. D'accord ? Donc chaque année en France en moyenne, les Français gâchent 430 euros de nourriture, ce qui correspond à peu près à 20 kilos. Donc ça c'est des constats qu'on fait. Majoritairement, ce sont des fruits et légumes. Donc ça, c'est assez inquiétant, c'est de se dire finalement, ce sont des produits frais, des fruits et légumes que nous jetons. D'accord ? Donc la raison principale, au niveau du producteur, je vais remonter un petit peu la chaîne, au niveau du producteur, c'est qu'il y a quelque part un espèce de dictat sur le beau, justement, la culture du beau. Il faut des fruits calibrés, donc les producteurs, il y a différents niveaux de calibre au niveau des fruits et légumes. Donc vous avez le calibre 1, calibre 2, calibre 3. Ceux qui vont en général dans les magasins sont le calibre 1. Les autres, certains sont jetés. Pas tant que ça en fait, les autres sont remis dans des filières de production industrielle pour des soupes, des jus de fruits, des plats préparés. Au niveau des distributeurs, donc nous, distributeurs Intermarché, qu'est-ce qu'on fait ? On achète les plus beaux fruits et légumes. Et à ce moment-là, je suis fin 2013, avec mes équipes des marques propres, on est en train de préparer le lancement d'une gamme de produits qui s'appelle Mon Marché Plaisir. Donc des fruits sur lesquels, et légumes sur lesquels nous avons des cahiers des charges très stricts, de qualité, de maturité, de calibre, et avec lesquels, sur lesquels nous avons passé des accords avec les producteurs. Nous engageons pendant plus de 5 ans à acheter leur production. Donc c'est vraiment un engagement qualité dans la durée. Par contre, sur nos étals, nous, qu'est-ce qu'on jette ? C'est quand les fruits ne sont pas très beaux, ils sont abîmés, ben on est obligé de les jeter parce qu'on sait que les consommateurs ne vont pas les acheter. Et les consommateurs, qu'est-ce qui se passe ? Si vous mettez une belle pomme, une moche pomme, eh ben ils vont acheter la belle pomme. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. Fin 2013, c'est vraiment un constat, c'est qu'ils préfèrent nos consommateurs eux-mêmes. Il y a le dictat du beau, préfèrent acheter du beau. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est dit, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc, on en a beaucoup parlé avec notre agence. Et il y a eu un point d'intact créatif, j'aime bien ce terme. Il y a
il n'y a rien de plus beau que le moche, finalement. Je ne sais pas si vous êtes arrivé, si vous êtes arrivé de manger des fruits moches, des légumes moches. Alors, comme vous êtes tous parisiens, je présume que vous êtes tous un peu... Non, pas du tout. Vous êtes tous un peu allés vous promener sur des marchés bio parisiens où, finalement, les moches font légion et c'est parfois beaucoup plus cher que les beaux fruits. Donc ça devient un petit peu, on sentait qu'il y avait des prémices. Et là, ce qui est juste génial, c'est qu'on est en décembre 2013. Et j'ai un monsieur qui est dans cette salle, Pascal Nessim. On était dans les beaux locaux de Publicis, là, en train de travailler. Il faisait froid, un peu comme aujourd'hui. Je crois que c'était plus gris, en plus. Puis avec son petit œil malin, là, ça clignait un peu dans l'œil. Il me dit, j'aimerais te montrer un truc. Nos équipes de créa ont une petite pépite à te montrer. Je voudrais vraiment... Leur point de départ, ça a été de se dire, ce n'est pas parce qu'ils sont moches qu'ils ont mauvais goût. Et alors là, il me montre ça. Et alors moi, je ne sais pas si vous croyez au coup de foudre. Moi, oui, j'ai eu un coup de foudre avec mon mari. Et j'ai eu un coup de foudre avec cette vision. Et là, je me dis, mais je prends toujours plaisir à les regarder. Je vais tourner le dos un petit peu. Il me montre une carotte moche, une pomme moche. Et j'avais l'impression de voir finalement un beau sac Hermès qui était là, posé tout simplement sur une étagère. Et là, je me suis dit, mais ils sont trop forts chez Marcel. Trop forts, Marcel. Donc ça, c'était... Ils m'ont fait ça. On a vu, donc il y avait toute une déclinaison. Qu'est-ce que tu en penses et tout? Et là, je me suis dit, c'est trop bien. C'est trop bien, pourquoi? Parce que derrière, ce qui a été génial, on s'est dit, mais comment effectivement ces consommateurs, qui jettent, je vous rappelle, 430 euros de produits par an, comment finalement leur faire prendre conscience? Est-ce que nous, distribution, on a quelque part une certaine légitimité à alerter les consommateurs? Moi, je suis une adepte du cuisiner maison parce que quand on a des clients qui ont un faible pouvoir d'achat, ce qui est génial, c'est qu'on se dit qu'il faut les inciter à cuisiner. Ça coûte nettement moins cher de cuisiner des produits frais que d'acheter des produits industriels tout faits. Est-ce qu'on doit leur dire aussi attention, c'est pas bien de gaspiller? Donc, on ne voulait absolument pas, dans ce contexte, être accusateur, moralisateur, mais un petit peu dédramatiser ce sujet juste par une certaine prise de conscience. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous jetez? Pourquoi vous ne les achetez pas? Et pourquoi vous les jetez? Et pour faire ça, pour qu'il y ait cette prise de conscience, et que ce ne soit pas finalement un peu sectaire, un peu triste, un peu accusateur, l'agence a eu un parti pris créatif de magnifier, de sublimer, de réenchanter le moche. Et ça, ça a été vraiment un pur plaisir à la première vision. Et derrière, c'était de leur donner à ces, j'allais dire, ces petits fruits, mais non, finalement, ces beaux fruits qui étaient moches pour ceux qui n'étaient pas quelque part un peu éduqués à cette nouvelle forme d'art, c'était d'avoir une tonalité assumée de fierté de sa laideur, de combativité et finalement de légèreté, voire un peu d'humour. Je vais vous montrer. Alors, j'ai deux films. Comme le temps, on va essayer. J'ai une carotte et une clémentine. Qui veut la carotte? On va voir qui préfère une carotte et qui préfère une clémentine. Oh mince! Bon, bah, tant pis pour vous. Moi, j'adore la carotte. Donc. Je voudrais que tu te demandes quelque chose. Qu'est-ce qui te définit? Est-ce que c'est ton goût? Ta texture, ce dont tu es fait, potassium, fer, calcium, vitamine A, B, C et même K, tu as tout ça. Il ne te manque rien de ce que les autres fruits et légumes ont. Tu peux potentiellement être tout ce que tu veux. Jus, soupe, purée, il suffit de le vouloir. Qui a dit que tu ne pouvais pas être vendu dans les supermarchés? Qui? Maintenant, tu dois commencer à croire en toi parce que sinon, personne d'autre le fera. Quand tu seras dans une cagette au supermarché, je veux que tu te redresses et que tu te sentes fier de qui tu es. Parce qu'il n'y a rien de mal à être moche. Les fruits et légumes moches, une belle idée contre le gaspillage. Bon, c'est vrai, tu as ce petit truc un peu bizarre et rigolo. Mais personne n'est parfait, mon cœur. D'ailleurs, la perfection, tu sais, c'est fade. Franchement, moi, je trouve ça tellement mignon. Tu ne peux pas laisser ton apparence te miner comme ça, mon ange. Regarde-toi. Tu sais que tu es belle à l'intérieur. Tu dois t'ouvrir, te révéler. Tu es originale, saine, débordant d'énergie, drôle. Tu fais même partie des meilleurs fruits qui soient. Tu te rends compte? Écoute, mon trésor. On t'aime comme tu es. Alors aime-toi, et tout le monde t'aimera aussi. Maintenant, relève-moi ces jolies feuilles et va affronter le monde. Les fruits et légumes moches,
Une belle idée contre le gaspillage. Alors, je vous rappelle, on était au mois de décembre 2013. Je vois les premières affiches comme ça. On a dû, clairement, et quand je dis « on », au niveau de la direction marketing, donc moi ici présente, au niveau de mon équipe de communication, paradoxalement, se battre en interne pour faire passer cette idée. Je vous remets le contexte, on est en train de préparer tous les packaging, les gammes avec mon marché plaisir. Et en interne, nos acheteurs, les catégories managers, disent « Ah non, mais c'est pas possible, attends, nous c'est la qualité, les clients ils veulent de la qualité, qu'est-ce que tu vas me faire avec tes fruits et légumes moches ? Arrêtez ces idées de marketeux là, c'est juste pas possible. » Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu, une fin de non-recevoir. Et là, c'est la magie d'un réseau de distributeurs d'indépendants. On s'est dit, finalement, cette belle idée, cette smart idea, elle doit être avant tout partir d'un écosystème dédié et local. C'est-à-dire qu'on a su, sur notre réseau de 1800 indépendants, embarquer avec nous un noyau dur, peu d'adhérents, mais on les a chouchoutés. Et il y a une adhérente à Provins, Marie-Sophie Ferté, qui a adoré l'idée et qui déjà elle-même était approchée en local par des agriculteurs qui avaient des productions qu'ils n'arrivaient pas à vendre parce que leurs fruits n'étaient pas calibrés comme ils se devaient. Donc ils frappaient à sa porte en disant « Mais attends, tiens Marie-Sophie, tu voudrais pas me vendre tes carottes, tes choux-fleurs, tout ça et tout. » Donc ça s'est fait comme ça. On est parti finalement du local, d'un point de vente. Et ce point de vente a complètement, on va dire, balisé, personnalisé aux fruits et légumes moches, toute son allée, tout son rayon fruits et légumes. L'allée centrale était dédiée. Les tickets de caisse, on a personnalisé les tickets de caisse pour que les clients s'en rendent compte. J'insiste, ça vous paraît anecdotique, mais moi j'y tiens aussi, on n'est pas que dans la créa. Mais là, on est vraiment sur comment se dire finalement d'une idée brillante, faire qu'elle se déploie de manière opérationnelle. Et ça, c'est bien l'enjeu des distributeurs. Quand je vous parlais de la force d'un réseau d'indépendants, c'est quelque part aussi sur un réseau d'intégrés. Pour avoir travaillé dans des réseaux intégrés, c'est facile, vous décidez, vous êtes la direction. Là, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que vous vous dites finalement en interne, moi je dis toujours, on est des consultants internes pour nos adhérents, au service de nos adhérents. Et s'ils n'adhèrent pas à une idée, c'est qu'on l'a mal vendue. Et là, pour bien vendre ces idées, finalement, on a réussi à embarquer, je tiens ça, à ce noyau dur qui a joué le jeu à fond. Il y a eu une campagne locale affichage à l'extérieur du point de vente. Imaginez, vous êtes à Provins, comment un point de vente peut, en tout cas tout le local, vous retransformer complètement une zone de chalandise. Il y a eu des communiqués de presse avec des paniers de fruits et légumes moches. Là, c'est la magie des réseaux sociaux où quelque part, on a complètement créé le buzz sur la toile. Donc là, vous voyez Marie-Sophie qui racontait ça. Et ce qui était génial, c'est qu'en plus, on faisait déguster. Donc on a su embarquer une adhérente complètement diffusée sur les réseaux sociaux. Le baliser en local, les clients arrivaient dans le point de vente et pouvaient en plus déguster des très bons jus de fruits et des très bonnes soupes faites sur place à base de fruits et légumes moches. Donc les clients, on a vendu sur ce jour-là, parce qu'aussi, au-delà d'une idée de communication, moi j'y tiens, ce sont des idées bien entendu d'entreprise. On est là aussi pour amener des solutions, donc marketeurs aussi, pour que nos adhérents fassent du business. N'ayons pas peur des mots. Et ça a été un vrai succès en termes de chiffre d'affaires sur ce rayon fruits et légumes qui était en moyenne vendu 30% moins cher. 30% moins cher. Donc il s'agit bien en termes de production d'un quelque part un détournement de filière aussi, c'est-à-dire au lieu que ces fruits et légumes aillent dans la filière industrielle de soupe et de fruits et légumes, on donnait aux consommateurs la possibilité de faire lui-même ses soupes et ses jus de fruits 30% moins cher. Le communiqué de presse qui était très précis aussi, donc avec cette dimension développement durable, j'y tiens. Ce qui a été génial aussi, et j'aurai pour vous, grâce à Guillaume ici présent, des sacs, nous avons fait un partenariat avec Cantine California, donc il y avait un food truck qui ce jour-là vendait des soupes à base de fruits et légumes, des soupes à base de légumes moches et des jus de fruits. Donc ça, c'était vraiment, on va dire, presque inattendu, parce que derrière, l'engouement des... Je pense que vous avez vu dans la presse, je vais parler des résultats. On a essayé d'en tirer un enseignement et de se dire finalement de ces smart ideas qui sont partis du local, derrière tous les adhérents en interne, ont souhaité en faire une opération nationale.
Donc finalement, avec au départ des acheteurs qui, pour plein de bonnes raisons, étaient un peu timorés, derrière, elles ont dit, mais le consommateur en demande. Donc c'est allé au-delà pour nous de la prise de conscience. Il y a eu une réelle adhésion des consommateurs, puisque le discours était fondé, et que vraiment j'y tiens, au-delà de l'idée de com, c'est aussi l'idée d'entreprise qui a beaucoup plu, où on a amené des nouvelles valeurs au niveau de la marque Intermarché. Et ça, pour nous, c'était important, et ça a été le moyen, grâce à l'axe créatif aussi, de les faire passer. Alors, on va dire la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a eu d'abord, en mai, le Grand Prix Stratégie. On a eu 3 Lions d'or à Cannes. Donc ça, bravo Marcel. Je dis bravo Marcel, j'y tiens, parce que c'était quand même un vrai plaisir. Et puis le summum, The Gun Report. Donc là, vraiment, c'est une première pour Intermarché. On n'a jamais eu autant de prix qu'avec cette communication. Donc ça, ça a été en interne une effervescence, une reconnaissance en tout cas du travail des équipes et de l'implication des adhérents au travers de cette valeur d'entreprise, au travers de l'amour du produit, de la religion du produit. Sur Facebook, donc on a pas mal de pages, on est l'enseigne qui a le plus de fans sur Facebook. On a eu 2 millions de personnes touchées, 32 000 interactions, 122 000 vues. Twitter, nous avons créé un compte Twitter au mois de juin. Donc là aussi, magie des réseaux sociaux, relayé partout dans le monde. Alors la première fois que vous le voyez avec des Kenji, où on vous arrive, vous avez un mot, vous dites, allez, je fais Google Traduction. C'était, voilà. Ils étaient aussi contents à l'autre bout du monde de voir aussi que ça avait été en tout cas un succès pour la France. On nous a demandé d'intervenir en Angleterre, au Canada, à New York. On n'a pas pu aller partout, mais en tout cas, les équipes se sont un peu dispatchées pour y aller. Bien entendu, les vidéos sur YouTube avec 4 millions de vues. Donc ça, c'était bien, 4 000 vues. Voilà, le film Mandarine et Carotte. Alors moi, j'ai la carotte, mais la mandarine a été un peu plus vue, comme vous ici aujourd'hui, vous le demandiez. Les retombées presse. Donc, reconnaissance de la presse sur cette campagne. Au niveau des consommateurs, qu'est-ce qui va se passer? Ils en redemandent. Alors, où on est frustré, c'est qu'on aimerait leur amener régulièrement des fruits et légumes moches en permanence dans nos points de vente. Mais la production fait que ça n'est pas possible aujourd'hui. Donc, on le fait au fil des saisons. C'est très contextuel. C'est-à-dire que là, vous allez retrouver dans nos points de vente des pommes moches. On ne peut pas en permanence avoir des fruits et légumes moches. Ça n'est pas possible. La production n'est pas suffisante. Et enfin, on va dire que les déchets de production ne sont pas suffisants. Donc l'idée, ce n'est pas de vendre des produits qui n'existent pas, qui les faire produire. Mais c'est clair qu'en tout cas, nous avons sensibilisé nos acheteurs à cette attente des consommateurs. Et on est convaincus, en tout cas, que ça peut, au-delà de cette prise de conscience du gaspillage, faire induire aussi une prise de conscience sur le fait de cuisiner, de ne pas s'arrêter à la laideur, à l'aspect du produit, de ne pas obliger les producteurs uniquement à calibrer des produits. Donc derrière, vraiment aujourd'hui, c'est un élargissement de l'offre. On espère aller plus loin. Vous avez pu voir une initiative des gueules cassées. Qui ont repris en tout cas ce que nous avions pu faire. On l'a vu dans des points de vente Auchan. Et aujourd'hui, ils vont lancer une gamme de produits. Donc je salue. Moi, je suis moche de jalousie parce qu'ils l'ont fait avant nous. Mais en tout cas, c'est bien. Ils vendent des brisures de cornflakes. Et c'est là où je vous disais, finalement, avec nos unités de production, j'étais encore avec eux la semaine dernière, on voyait pour avoir des brisures de saumon, des brisures de gâteau. Aujourd'hui, tous les déchets de nos unités de production sont recyclés. Donc on ne va pas, nous, en tant que marketeurs, faire des lignes de production pour vendre ces produits-là. Donc la laideur, aujourd'hui, au sortir de nos usines, est déjà recyclée. Nous allons, par contre, continuer sur l'initiative des fruits et légumes. Nous avons, sans vous déceler, vous révéler ce que nous aimerions faire, en tout cas, sur des soupes, c'est vraiment de se dire, on vous les amène, on travaille sur aussi des soupes moches, des jus de fruits moches pour les vendre vraiment 30% moins cher. Je vais vous montrer la dernière en date. Ah, mais c'est quoi ça? C'est marrant. C'est comme si tu t'étais fait une bosse en tombant d'un arbre. Ou non, c'est comme si t'avais une deuxième pomme qui poussait sur ta pomme. Genre une pomme avec deux têtes. C'est comme une pomme venue de l'espace, en fait. C'est ça,
T'es bien une pomme venue de l'espace. Mais comment t'es arrivée jusqu'ici? Les fruits et légumes moches, une belle idée contre le gaspillage. Donc je pense que c'est à suivre. Et je vous invite à venir dans nos points de vente, en tout cas pour les déguster. Et je peux répondre à vos questions maintenant. Merci. Merci Patricia. Thank you.